Le 20e concours Jeune Personnalité des Jardins, organisé par la Jeune Chambre de Rimouski, a couronné ses gagnants lors du prestigieux gala qui se tenait à l'Hôtel Rimouski, Centre des Congrès. Pour mieux connaître les 6 finalistes, des vidéos les mettant en vedette ont été présentées lors du gala. Les vidéos sont une production et une réalisation de TV Cogeco, réalisée avec brio par Soliel Perrault et encore Hugues Fournier, qui ont travaillé très, très fort. Ouais, ça va aller. Mon petit bébé. Ça fait des espressos extraordinaires avec le bon mélange. Puis ici, avec le fameux gin Saint-Laurent, qui est à peu près un des meilleurs gins au monde. Oh! Qu'est-ce que je vois ici? Un Morgon de La Pierre. Julien Lambré de Souza. Je suis agent de développement et de recherche à l'Université du Québec à Rimouski. En fait, plus spécifiquement, je relève du vice-recteur à la formation à la recherche. Moi, mon but premier dans la vie, c'est de faire une différence, at large, dans la vie des gens, pour la planète. Puis, je pense que la façon de le faire, c'est vraiment que les chercheurs sortent de leur labo puis parlent au vrai monde. Puis ça, et donc, ici, on a un espace avec la banquette. Sauter de poulet à l'érable? Ouais. Un petit pain avec votre soupe? Festif, oui, mais je pense pas que je me transforme pas. T'es pas Hulk! Non, je danserai pas sur la table, là. Ça c'est pas moi. Mais non, j'aime avoir un plaisir contrôlé. Là. C'est toujours plus le fun de profiter du moment avec des amis que de plus s'en souvenir le lendemain. Hein. Non, toujours mieux. Nos 6 finalistes, 3 dans le volet entrepreneur, dans le volet professionnel. Et pourquoi pas, pendant qu'on y est, ces 6 finalistes, venez nous rejoindre. C'est votre moment. Venez nous rejoindre pour scène. Suzy Quimper, Jonathan Laterreur, Lynn Morissette, Jean-Philippe Bérubé, Julien Lambré de Souza et Raphaël Maffolini. Ce sont nos 6 finalistes. Le gagnant ou la gagnante est Julien Lambré de Sosa. Ouais! Hey, wow! Je suis submergé d'émotion. Ben, merci beaucoup, merci infiniment. Merci à la Jeune Chambre. Merci à ses gouverneurs, merci à Desjardins. C'est un immense honneur de recevoir ça, puis je vais essayer d'être à la hauteur de la distinction qui m'est accordée aujourd'hui pour le reste de ma carrière. Donc, du côté entrepreneurial, le gagnant ou la gagnante est Jonathan Laterreur. Vous avez dit à quelqu'un qui est parti de Montréal pour s'en venir en région, puis vous lui avez dit, tu sais, hey, c'est-tu quoi ce que tu fais? C'est du beau travail. Puis je sais pas comment vous remercier, honnêtement. C'est drôle, ça, quand ma blonde, elle m'a dit, hey,
Oh, tu vas être papa, tu sais, on va accoucher puis tout le kit. C'est la même, on dirait la même sensation un peu. Je suis pas à l'aise.